Bonjour à tous. Dans ce grain, nous allons nous intéresser aux bonnes pratiques de modélisation. Plus précisément, nous allons décrire les procédures qu'il faut appliquer pour mettre au point un modèle qui soit réellement efficace dans la pratique. Les domaines dans lesquels il faut faire attention comprennent tout d'abord une réflexion avant le recueil des données. Ensuite, une fois qu'on aura recueilli les données, il faudra faire une étude préliminaire des données pour savoir s'il n'y a pas des aberrations dans les données. On pourra ensuite construire un modèle prédictif. Et enfin, on essaiera d'entretenir le modèle, c'est-à-dire de vérifier que ce modèle qui a été mis au point fonctionne réellement correctement en routine. La première question à se poser, c'est quel problème à résoudre. Et il n'est pas certain que le problème à résoudre demande la mise au point d'une application analytique. Il existe de nombreuses situations dans lesquelles on serait beaucoup plus efficace en faisant, par exemple, de la classification ou en regardant simplement la conformité de l'échantillon à un spectre de référence. Alors maintenant, on va parler de la méthode de référence. Quand, au contraire, on veut réellement mettre au point une méthode analytique, il va falloir disposer d'une méthode analytique de référence. Et pour cette méthode analytique, il est intéressant de se poser des questions avant de commencer. La première question qu'on peut se poser, c'est de savoir si la méthode de référence dont on dispose est précise. Et il est presque indispensable de disposer d'une évaluation, a priori, de la précision de la méthode de référence. Si on ne connaît pas cette précision, on ne saura pas si le modèle que l'on aura mis au point en spectroscopie est correct par rapport à la méthode de référence. En particulier, si la méthode de référence est imprécise, on aura un dosage qui sera apparemment encore plus imprécis que celui que donnait la méthode de référence. L'autre question que l'on peut se poser, c'est comment nous allons faire pour choisir les échantillons. Il faut donc disposer d'une collection d'échantillons qu'on a pris dans le corpus, dans la population des échantillons qui sont typiques de ce que l'on va analyser. Et pour ça, il est intéressant de tenter de commencer par faire une liste des facteurs de variabilité connus de ces échantillons. Par exemple, si c'est des échantillons qui proviennent d'une industrie, on peut imaginer que la provenance de l'échantillon, la technologie qui a été appliquée à l'échantillon, le degré de séchage, le moyen de séchage sont des facteurs de variabilité qui font partie de l'échantillon. Donc il est nécessaire de collecter des échantillons qui possèdent ces facteurs de variabilité. Et je voudrais dire également qu'il n'est pas possible en général de créer des échantillons en mélangeant des ingrédients. Si on mélange des ingrédients en se disant ça va me faire des échantillons artificiels, eh bien on ne crée pas réellement la variabilité qui existe dans le produit naturel. Il est maintenant nécessaire de vérifier que les dosages ne présentent pas des valeurs impossibles. On peut le faire de deux manières. La première manière la plus simple, c'est tout simplement de regarder les valeurs et de voir s'il y en a certaines qui ne sont pas extrêmement étranges. Une autre possibilité, c'est de faire l'histogramme de ces valeurs analytiques de référence. Et en regardant l'histogramme, on peut voir si quelques observations ne sont pas très éloignées de l'ensemble des autres. Et s'il existe des observations qui sont très éloignées de l'ensemble des autres, eh bien, il faudra les retirer de la collection avant de continuer. En ce qui concerne les données spectrales, une bonne pratique, si les spectres ne sont pas trop nombreux, c'est de faire un feuilletage, c'est-à-dire de regarder tous les spectres les uns après les autres rapidement et de voir s'il n'y en a pas qui sont très aberrants et qui présentent un défaut. On peut également utiliser des tests statistiques, par exemple, calculer la distance de tous les spectres entre eux, les uns avec les autres, et de regarder s'il n'y a pas des spectres qui sont particulièrement loin de tous les autres spectres. Ces spectres qui sont particulièrement loin sont peut-être aberrants. Il faut aller les regarder de près pour savoir si il est possible d'avoir ces spectres-là. Si, par exemple, le spectromètre ne s'était pas éteint lorsqu'on a fait cette mesure. Alors maintenant que l'on a fait ça, on se trouve dans la situation de pouvoir véritablement mettre au point une application. Première chose que l'on fait, ça va être de diviser notre collection en un jeu d'apprentissage et un jeu test. Le jeu d'apprentissage, c'est en quelque sorte une simulation du monde connu. C'est ce qui va nous servir à mettre au point le modèle. Et le jeu test, c'est un jeu dans lequel on va le garder de côté et on appliquera seulement le meilleur modèle que l'on a mis au point avec le jeu d'apprentissage. Alors le jeu d'apprentissage va être lui-même divisé en un jeu d'étalonnage et un jeu de validation.
et on, pour le moment, on ne s'intéresse pas au jeu de test. Quand on dispose de ça, on peut faire tourner des modèles prédictifs sur sa collection. Donc on prend le jeu d'étalonnage, on établit des modèles prédictifs, et tous ces modèles prédictifs que l'on a établis, on les teste sur le jeu de validation. Par exemple, dans le cas particulier de PLS, dans lequel le facteur de complexité du modèle, c'est le nombre de dimensions PLS, on peut établir la courbe de l'évolution de l'erreur en fonction du nombre de dimensions. Sur le jeu d'étalonnage, on s'attend à ce que l'erreur diminue continuellement. Plus le modèle est compliqué, plus il est satisfaisant du point de vue de l'étalonnage. Mais ce n'est pas exact, puisque sur le jeu de validation, on va voir que l'erreur va commencer par diminuer, et quand on aura mis trop de dimensions, l'erreur va augmenter. C'est ce qu'on appelle un surajustement. Donc, tout l'exercice de l'utilisateur, c'est de trouver le facteur de complexité qu'il doit appliquer à son modèle. Dans le cas particulier de PLS, il s'agit du nombre de dimensions. La RMSE, Root Mean Square Error, est un indicateur intéressant. Elle s'exprime dans les unités de la variable étudiée et elle peut permettre de faire des tests statistiques et, par exemple, de construire un intervalle de confiance autour de la valeur prédite. Voici un exemple réel montrant l'évolution de l'erreur en fonction du nombre de facteurs ou de dimensions PLS. On voit que l'erreur d'étalonnage diminue continuellement avec le nombre de dimensions. Au contraire, l'erreur sur le jeu de validation commence par diminuer, puis augmente en fonction du nombre de dimensions. L'utilisateur peut choisir le nombre de dimensions qui font l'erreur de validation la plus petite possible. Dans l'exemple, on choisirait, par exemple, environ 7 dimensions. Alors, bien sûr, une idée qui vient à l'esprit, c'est de ne pas se contenter de faire un seul essai en étalonnage validation. Ce que l'on fait en général, c'est qu'on tire successivement plusieurs jeux que l'on met en validation. On peut donc avoir des courbes de validation qui vont être un petit peu différentes, qui exprimeront l'évolution de l'erreur sur le jeu de validation. On peut par exemple prendre la moyenne de ces valeurs qui nous donne une courbe qui nous permet de repérer le nombre des dimensions qui convient. Une des techniques de création d'un jeu de validation, c'est donc une cross-validation, ça consiste à retirer les uns après les autres un certain nombre de spectres de la collection. Et on va prendre comme étalon là, ce qui est dessiné en rouge sur le jeu d'étalonnage et on va à chaque fois appliquer les modèles qu'on aura établis sur le jeu d'étalonnage sur le jeu de validation. Une autre manière de faire cette division, c'est ce qu'on appelle le leave one out, ce qui veut dire retirer un à la fois en anglais. Et au lieu de retirer plusieurs spectres de la collection d'apprentissage, on retire un spectre à la fois. Et on établit donc autant de modèles qu'il y a d'observations dans le jeu d'apprentissage. Alors cette méthode, c'est une méthode qui n'est utilisée qu'à titre indicatif. Et pour avoir, on peut donc faire des essais préliminaires pour voir si on a une chance que la méthode marche. Mais il sera toujours de toute façon nécessaire d'avoir une collection un peu plus grande pour réellement confirmer le modèle. Alors maintenant qu'on a établi un modèle, on est content et on considère qu'on n'a plus qu'un seul modèle qui nous paraisse satisfaisant. Eh bien, on va prendre ce modèle et on va l'appliquer sur le jeu test. Et le jeu test, lui, ne verra que l'utilisation d'un seul modèle. Et les valeurs réelles de la qualité du modèle sont les valeurs qu'on obtient sur ce jeu test. On n'en a qu'un. Et c'est donc les valeurs qui sont considérées les plus fiables et qui sont les valeurs qui sont considérées comme représentatives du résultat de notre étalonnage. On peut avoir différentes informations complémentaires sur le modèle. Une des informations complémentaires qu'on puisse avoir, c'est la nature des coefficients, les coefficients bêta, les coefficients de la régression. Alors, on peut voir que si un modèle est satisfaisant, on va avoir une forme des coefficients bêta qui va être assez lisse, et que si le modèle devient trop compliqué, on aura une évolution des coefficients bêta qui sera complètement chaotique et le modèle ne sera pas satisfaisant. Alors maintenant qu'on a fait tout ça, on est content, on a un modèle qui est satisfaisant, et on peut donc l'appliquer en routine. Évidemment, quand on l'applique en routine, on ne dispose pas normalement de valeur Y. Cependant, il est indispensable de vérifier de temps en temps,
que le modèle convienne bien. Et pour faire cela, on va prendre des observations qui sont passées dans la chaîne analytique, les doser de nouveau par la méthode de référence et établir un test de différence entre la vraie valeur analytique et la valeur mesurée par spectroscopie proche infrarouge. Ça peut nous servir à faire des cartes de contrôle, dont une est évoquée ici, et ça donne un moyen de penser, d'être attentif et de se poser la question de savoir si le modèle est satisfaisant. Si le modèle, au bout d'un moment, arrive à ne plus être satisfaisant, on pourra tenter soit de rajouter des observations dans le jeu d'étalonnage et recommencer l'étalonnage, soit utiliser d'autres méthodes de réajustement qui sont évoquées dans d'autres modules. Mais voilà tout ce que je voulais vous dire à peu près aujourd'hui. Donc, les choses importantes, c'est que, avant de commencer, il faut bien choisir sa méthode de référence et avoir des valeurs analytiques qui nous permettent de savoir si elle est fiable. Il faut utiliser une procédure de validation croisée comprenant un jeu test, c'est-à-dire un jeu dans lequel une seule équation est réellement utilisée. Enfin, il faut pouvoir entretenir le modèle, c'est-à-dire que lorsque l'on a un modèle que l'on croit satisfaisant, eh bien, il faut régulièrement vérifier sa qualité en redosant quelques échantillons de temps en temps. Eh bien, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bon courage pour la suite.